Salut les gars, il est actuellement 8h30, c'est super tôt pour se réveiller, là. Mais on se réveille quand même. Avant de vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes. Voilà, j'espère que vous avez des cadeaux de fou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Enfin, petite, pour moi, elle est bien en vrai. Je vais changer de setup, hein. Surtout changer de deck en fait. J'étais avec un Striker Gravis, du coup, le doré, et je vais changer pour un autre deck. Donc du coup, vous allez me suivre toute la journée. Ça part sur un petit vlog en fait, tout simple. Et vous allez me suivre toute la journée et on va aller à Cactus, on va aller voir Paolo et on va monter ça et après ça va rouler le deck, hein, très clairement. Du coup, ben, let's go les gars. Vous allez me suivre toute la journée. Je suis dégoûté, il fait pas beau, je suis en moto. Bref, normalement, à ce qui paraît, il fait beau toute la journée. J'espère juste qu'on va pouvoir aller rider. Puis voilà, let's go, je vais me bouger et je vais faire des courses. Ça, c'est pas dans le vlog. Et après, je vais faire des courses et après, il se fout à Cactus. Il était 8h30, je me suis préparé super vite. Du coup, bah, j'ai dû attendre malheureusement. Donc là, on part, il est 9h30 et on se retrouve au chauffelier. Trop con, j'ai dû reprendre ma barre, je l'avais oublié. Bref, du coup, là, on part vraiment. C'est-à-dire l'ouverture est privée les gars, privée. VIP les gars. Il est juste devant moi là. S'il faut à tout moment, j'ai pris un vieux deck là. S'il faut, j'ai pris un vieux deck et tout. C'est un deck JDBug les gars, c'est bête de deck là. Vous êtes pas... Il a une bête d'idée, je le griffe et tout. Et après, je monte ma trotte. Et les gars, je monte ma trotte et tout. Et après, je vous la montre. Parce qu'en vrai, c'est dinguerie. Hein. Je te jure, le deck JDBug là, il va péter. Hein. Les gars, donc pépé, les roues blunt, ma fourche AO, mon deck natif, mon deck, mon conserrage natif et ma barre thermale. Les gars, elle est incroyable la trône. Franchement, ah. Merci, hein, Cactus Shop, les gars, Cactus Shop. Hop là, tu whip dans le magasin. Je vais casser la vitre. Voilà, franchement, j'ai chopé vos pièces, les gars. Eh, hey, il est là. C'est en plus ils ont reçu des nouveaux trucs. Bon, les KOS là, ça change pas, hein, depuis la vidéo. De toute façon, si vous voulez aller voir la vidéo, on présente le shop avec Romain. Et de toute façon, on sera juste en haut là. Et ils ont reçu les nouveaux trucs là. Ils ont plein de trucs. Ouais, je te jure, ils sont hal. Je te jure, ils sont hal. Tu veux une trottinette complète? Bam, tu vas à Cactus. Tu cherches même pas à comprendre, bref. Cherche pas à comprendre. T'as le petit pépé. Oui, j'avais les doigts. T'as le petit pépé et puis. Puis il prend la trottinette. Moi, et puis tout se passe bien. Du coup, là, je vous explique. Donc là, on va rejoindre Léon à Cannes. On va manger parce que, enfin, il est quand même presque 14h, mais t'inquiète, on mange à 14h, c'est pas très grave. Là, je vais choper le premier bus qui passe et on va rouler à Cannes en espérant que ça soit pas mouillé parce que du coup. L'humidité, l'humidité, non même pas, il a plu. Du coup, voilà, on se retrouve à Cannes. Et puis voilà, les gars, avec la trotte. Ouais, je suis trop content. Les gens sont trop contents. Bon, vas-y, à toutes. Bon, du coup, là, on est à la roseraie. Enfin, du coup, vous connaissez, hein. C'est un peu un DIY. Avec le deck, en première impression, en vrai, j'ai roulé avec. Et franchement, mais. En vrai, patate, hein. Allez, board slide. Elle est bien le deck ou pas, là? Elle est
Il est bien le deck ou pas? Ah, comment il envoie des petites crépitances là. Du coup on va filmer 2-3 clips là. Et puis voilà, ma bite. Y a pas grand chose à faire mais on va essayer quand même. Ça se voit il a 10 ans. Bad bees, they curve the kid back then when I was so lit. Now I'm lit, they're pissed. Told bro, that you gotta take it slow. But he knows crying pace, so he won't go lich. We're 3-4-3, now 6-6. Put in the work for years for this. This ain't no coincidence. I did have to take them trips. Shit, they talking shit and it make me sick. I said fuck school and it made me rich. We did sell crack on the 80s ting. The jinx on us and they pray we slip. Said fuck school and I broke the law. Told little bro, gotta stay in school. Telling the kids this shit ain't cool. Fuck, I'm so hypocritical. Fuck, I just missed a call. My bros in the field, not bullying pools. So cocaine, I'm molly and all. Told mom Z, don't worry at all. Step in a bando, honey, I'm home. The local fiends don't vouch, you won't get served. The cat's unknown, I don't owe, no, I made money alone. Bad bees, they curved the kid back then when I was so lit. Now I'm lit, they're pissed. Told bro, that you gotta take it slow. But he knows crying pace, so he won't go lich. We're 3-4-3, now 6-6. Put in the work for years for this. Du coup, là, on va bouger en street avec. C'est quoi ton nom? Wow! Rhino Shield. Du coup, on va bouger avec Sio et Léon. On va essayer de trouver des spots. Léon, Sio. On va essayer de trouver des spots vers le musée là. Comment s'appelle sa mère là? Bref, on va voir. Now got gal all around. Still my one from the west, my favorite. These cats are domesticated. Jason the station investigating. Bad bees, they curved the kid back then when I was so lit. Now I'm lit, they're pissed. Told bro, that you gotta take it slow. But he knows crying pace, so he won't go lich. We're 3-4-3, now 6-6. Put in the work for years for this. This ain't no coincidence. I did have to take them trips. Bad bees, they curved the kid back then when I was so lit. Now I'm lit, they're pissed. Told bro, that you gotta take it slow. But he knows crying pace, so he won't go lich. We're 3-4-3, now 6-6. Put in the work for years. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de tricks, mais c'était surtout pour vous montrer mon nouveau deck. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, ben, likez et abonnez-vous et partagez, ça nous fait un maximum de visibilité. Et nous, ça nous fait kiffer. On vous remercie, on est presque 130 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de ouf, vraiment. Puis voilà, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Ciao.